Le projet a le grand avantage de mettre à profit des infrastructures déjà en place, ce qui permet des économies importantes. Par exemple, dans la zone délimitée par les rues Gouin, Huppé et Main, où se retrouve une cour de triage, l'espace sera réaménagé pour la mise en place d'une voie rapibus suffisamment large pour permettre la circulation dans les deux directions. La piste cyclable y sera juxtaposée. Tout cela en respectant l'exigence de la compagnie de chemin de fer concernant un dégagement latéral d'au moins 7 mètres de part et d'autre du centre de la voie ferrée. La cour de triage sera relocalisée et la voie ferrée devra être déplacée sur la presque totalité du tracé. Nous aurons alors recours à des rails soudés, ce qui contribuera à réduire le bruit et les vibrations associées au passage des trains. Le recours à des techniques modernes de contrôle permettra de gérer efficacement les feux de circulation et d'éviter l'utilisation des sifflets des locomotives. Enfin, des clôtures seront aménagées et assureront la sécurité de l'emprise.